Voilà, la vidéo a commencé. Bonjour mes frères, bonjour mes soeurs, bonjour à tous ceux qui nous suivent de loin ou de près. Moi, c'est le dessin animé de la Dossingang. Tout d'abord, je viens par cette vidéo pour être plus explicite. Ceux de qu'un disent, quand je fais des vidéos, je parle rapidement. Bon, je vais m'atteler à parler doucement à ce que vous écoutiez et vous entendiez les propos que je vais tenir à l'endroit du gros chat, du conspirateur, du saltimbanque qui passe tout son temps à nous dénigrer aux yeux de tous à travers des propagandes et des mensonges. Il va jusqu'à menacer les gens pour les soutirer des infos qu'ils n'ont pas. Moi, le dessin animé, je ne porte pas le brassard pour rien. Quand je parle toujours avec preuve. Don Giovanni, je t'avais dit que j'allais te pêcher, te happer et te livrer à l'avenue populaire. Voilà. Parce que tu es un loup dans la bergerie. Tu te proclames pro babo, pro blé boudé. Mais la doctrine que tu utilises, les menaces, le chantage, ça n'a jamais été l'âme de prédilection de Laurent Gbagbo. Gbagbo a été tué de la vérité pour pouvoir véhiculer son message. Mais toi, tu te dis politicien et tu commences à mentir aux gens, les soudoyer, moyen de l'argent, pour les structurer des informations qu'ils n'ont pas. Mais c'est déplorable, c'est pitié. Pourquoi cette haine à l'endroit de Johnny Pacheco? Pourquoi cette haine à l'endroit de la Dossingang? Qu'est-ce qu'on a fait que tu n'as pas apprécié? Ou bien c'est parce que notre mouvement a pris de l'ampleur? Ou bien c'est pas plus jalousie? Tu fais des vidéos à répétition, insensées, pour pouvoir nous ternir. Mais quand tu es dans la vérité, Dieu fait ton palabre. Oui, quand tu ne reproches rien, quand tu n'as pas d'antécédent, Dieu fait ton palabre. Tu as remué ciel et terre pour avoir des informations. Dans les champions, je vous explique. Toi, le salopard, le gros chat, la grosse pute, tu vas voir une de mes amies qui est aux États-Unis. Comme quoi, elle aurait des informations sur moi. Mais la fille en question, que tu as appelée, ça fait 3 mois, ça ne posait pas 4 mois, à la suite d'une histoire qui s'est passée entre nous. Donc, tu l'as appelée pour lui demander certaines informations qu'elle ne savait pas, qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas de quoi tu parlais. La pousser à vouloir dire des choses qu'elle ne voulait pas dire. Mais comment je parle des preuves? Nous, on parle des preuves, je vais te montrer certaines preuves. Voilà. Donc, juste pour vous dire, ce gars, en l'occurrence, dont Giovanni, est en quête de notoriété. Et il veut passer par nous pour pouvoir se faire un nom. Voilà. Pourquoi tant de haine? Pourquoi? Parce que Johnny Pacheco a omis de dire ton nom dans une de ses vidéos. Pourquoi tant de haine? Parce que Johnny Pacheco ne partage pas ses vidéos sur sa page. Pourquoi tant de haine? Parce que Johnny Pacheco t'a refusé la porte à l'accès à la Dossingang. Mais champion, la Dossingang n'est pas ce mouvement. Il y a des gens qui évoluent. Tu fais ton combat. Et tu te dis politicien. Pourtant, tu ne l'es pas. Tu es un vrai conspirateur, tu es un saltimbanque. L'Afrique, quand tu l'appelles, moi, il ne savait pas. Mais comme la Dossingang est un esprit, elle voit un gars qui l'appelle Don Giovanni, elle ne sait pas. C'est qui? Quand tu lui as dit, ah, on a un ennemi commun, qui est dessin animé, elle me dit, dessin animé, c'est pas mon ennemi. Elle t'a mis en stand-by. Comme elle ne te connaît pas, quand tu as parlé d'ennemi, elle t'a mis en stand-by. Elle t'a recording. Dans les champions, vous allez écouter les propos de ce gars. Parce que c'est un loup de la bergerie. Il se réclame pro babo, mais ce n'est pas un pro babo. Il se réclame pro blé boudé, mais ce n'est pas un pro blé boudé. Voilà, lui, il doit rejoindre Peter, Prince Peter. Petit, c'est Peter qui a passé entre les mailles du filet. Mais toi, on va t'estiper du lot des combattants et tu seras allié à chose, à Peter, parce que vous êtes des menteurs. Voilà. Et tes dits sont ici en train d'investissement. Bon, les morts, décalez vos oreilles. Voilà ce que Don Giovanni dit de moi. Tout le monde, j'aurai une vidéo
On doit l'écouter. Après, je vais continuer. Alors, si c'est le mot, on écoute. Ok. Tu connais, comment dire, genre, Bijou d'Afrique? Bijou. D'accord. Mais la personne vient de me demander tout à l'heure. Voilà, Bijou d'Afrique, je crois qu'il te connaît un peu et tout ça. En fait, il a entendu parler de toi un peu, je crois. Donc, c'est lui qui m'a dit que si je te contacte, tu peux m'aider. Ok. On m'a dit que tu as une vidéo de ce bâtard de choses là. Comment il s'appelle là? Dessin animé là. Ça m'intéresse. Je veux faire disparaître la jeune fille. Et j'ai commencé depuis là. En ce moment, eux-mêmes, ils ont commencé à disparaître. Voilà, donc vous voyez le champion, le gars il passe derrière moi pour aller voir mes amis, pour traiter les soudoyer moyennant de l'argent. Il y a d'autres vidéos encore, il pose la question à ma fille, ah, tu préfères protéger ton ami par rapport à la libération de Babo. Mais la vidéo que je vous ai montrée, est-ce que vous voyez des alimentés ces branches là? Il s'en dit à la fille que ouais, la fille a une vidéo où moi je me suis branlé. Je me suis branlé. Bon, comme Dieu, je sais tout faire. Je vais vous montrer que c'est une nouvelle vidéo que j'ai fait. Je vais vous montrer la date de la vidéo. Voilà. 14 juillet 2015. Voilà. iPhone, ça. Apple, là. Et mon pari, ça, là. 14 juillet 2015. Voilà. Donc, voilà ça, là. 14 juillet 2015. C'est pas une vidéo qui a été coupée. Voilà. Donc, Don Giovanni, tu es un conspirateur. Tu ne t'attaques pas aux femmes. On va suivre encore un autre investissement. C'est que si il y a des centaines de vidéos passées, il y a encore un investissement.
ce bébé, je dis, ok. Voilà. Donc, tu vas m'appeler mon numéro. Je vais appeler, voilà. Mais j'ai besoin de ta joie. Je dois le faire. Tu sais que je dois le faire pour la vie. Parce qu'il a divisé en ce moment les programmes. Déjà que les gens sont divisés à Bidjan là-bas avec l'aspect de choses, hein, comment dire ça, de. Comment il s'appelle, Afinjessan et plus chose. Abdelman Sangaré, déjà, lui, il est en train de diviser encore les internautes ici avec toute la population. Et ça, là, si je ne mets pas fin à ça, c'est pas bien pour l'avenir du combat. Tu comprends bien, non? Oui. Voilà. C'est même pas bien pour l'avenir du combat. Et j'ai besoin, j'ai franchement besoin. Mais je n'oublierai pas, je n'oublierai jamais, quelles que soient les années, tu fais ça, que tu me permets de garder cela, je n'oublierai jamais. Non, c'est pas fort, tu sais. Je sais que ça, je veux moi, c'est l'argent de mais on devait voir, il peut rien te faire. Moi je lui ai dit, il est caché. Il est caché, en ce moment il le sait, il est caché. Il ne peut pas voir, il fait des faux profils pour me répondre. Je lui dis, c'est toi, il faut te révéler. Il ne peut pas te parler. Il peut rien te faire. Il a touché à quelqu'un que moi, vraiment, il le publie. Ils connaissent de la plaisanterie, ils ont fait ça à Paris là-bas, mais ils ne sont pas retombés sur moi. Si tu regardes mes vidéos là, tu apprendras, tu vas voir. Oui, là, il est capable. Ok, donc je te donne les 10-15 minutes, tu vas sur ma page et puis je te rappelle dans 15 minutes. Ok, d'accord. Voilà. Donc vous écoutez. Donc Giovanni, tu es un lâche. Voilà. Les filles, elles n'ont rien à voir dans ce combat. Fallait poser tes couilles. Pour éliminer cette vidéo et cette vidéo je te l'ai montré, il n'y a rien de compromettant dans cette vidéo, mais la fille en question, tu as osé la menacer, toi tu es qui tu la menaces, une citoyenne américaine, pas un clandestin, un clando ou bien un résident, tu oses menacer une citoyenne américaine, mais petit, tu es arrivé loin, parce que moi je lui ai dit de porter plainte contre toi pour harcèlement, mais après tu l'as harcelé, une fille qui ne te connaît pas. Tu l'appelles, tu dis non, que ouais, vous avez un ennemi commun. Mais c'est normal qu'elle prenne cette disposition pour t'enregistrer. Parce qu'elle ne sait pas de quoi tu parles. Elle ne sait pas de quoi tu parles. Et moi, qu'elle m'a appelé, elle m'a dit, ah, mais tu connais donc Giovanni, il le connaît. Et il m'a appelé, qu'il vient des forces sur toi. Il dit, mais ah, petit, tu sais ce que tu avais à faire. Hein? Elle lui, il connaît. C'est la Jocelyne qui nous vient. Elle t'a reconnu. Sans qu'elle lui dise, parce que la Jocelyne, c'est un esprit. Il t'avait dit auparavant, il dit, ah, j'étais assimilé à un petit calibre, raison pour laquelle, qu'on causait au début, je n'étais pas enregistré. Mais je t'ai prévenu, je dis petit, comme tu te joues le gros cali, moi, je vais te piéger. Même si tu ne pièges pas, tout compte fait, je vais t'enregistrer. Et comme nous sommes dans la vérité, tu es parti tes gueules, parce que tu pensais que la fille, elle me détestait, elle aime me livrer. Elle ne m'a pas livré. Elle t'a montré que, ouais, la personne, c'est l'esprit. Donc, vous voyez le gars, vous voyez ce gars, comment il opère, et il dit à la fille, non, donne-moi cette vidéo, il t'envoie votre union. Ton grand frère qui a grandi avec toi à Tekoubé, vers Bouribana là. Voilà. Il faut lui faire Western. Mais c'est un grand PD. Il s'est fait niquer le fion par un blanc à Makori. Mais ça, on va revenir dessus. Sa photo, j'ai mis sur Facebook. Merci pour lui dire, tu t'attaquais à moi. Tu t'attaquais à Tétré. Il est plus fort que toi, petit. Voilà. Donc ça ne sert à rien de venir passer par mes amis pour avoir des informations. Moi, je n'ai pas d'antécédent. Moi, c'est un militaire. Je peux me mettre sur Facebook. Voilà, manuelité, il commence à faire, il n'y a rien derrière. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a mis en France. Voilà, il n'y a rien derrière. Donc, au lieu de passer par les jeunes, viens-moi me voir. Et puis, tu es un lâche, tu attaques aux femmes, tu fais des chantages. Et c'est ce que tu as fait pour les autres filles. Tu t'en mentis, tu t'en fabriques les trucs. Mais ça, la fille, c'est Dieu, hein. C'est Dieu qui a fait. Il n'est pas dit dans les cieux. Et tout fait tout ça, c'est que ouais, la fille est en parler avec elle. Mais comme Dieu avec moi, Dieu avec nous, elle a une intuition de t'enregistrer. Parce que tu dis, vous avez un ennemi commun. Mais moi, je pense qu'elle n'est pas mon ennemi. Tu vois. Donc, les gars, ça veut vous dire, il y a beaucoup d'hommes qui sont dans la lutte, qui roulent pour le RDR. Voilà ce dont Giovanni a été démasqué. Parce que Gbagbo, en son temps, sa lutte-là, il ne faisait pas, il ne conspirait pas contre des gens. Voilà, il ne menaçait pas. Mais toi, tu as menacé la fille. Mais la seconde vidéo arrive.
Attends, c'est à 15 minutes. Le champion, vous l'avez vu, hein, c'est la jalousie. Il est haineux. Ils sont haineux contre nous. Pourquoi? Parce qu'on dit la vérité. Dans la passée, lui, on ne le voyait pas. Pour une question de vue, ça donne à de la propagande. Donc, tu es RDR. C'est putain qui a passé entre les mailles. Mais toi, on va t'estiquer du lot et on va te rendre, on va te donner à putain. Voilà, là, vous serez alliés. C'est toi, tu es RDR. Plus jamais, à travers cette vidéo, les gens vont te croire. Parce que tu es là, tu es un conspirateur. Les filles qui n'ont rien à voir dedans. Toi, tu viens les mettre dedans. Et la fille, comment tu es intelligente, est enregistrée. Tu l'appelles un bon matin, tu dis non. Que vous avez un ennemi commun. Moi, j'ai dit que l'ennemi, c'est Facebook ici. Donc, si c'est les champions, dans le grand sachet, il a balancé la vidéo là. Et il y a une deuxième vidéo, un deuxième enregistrement où il a menacé la fille. Voilà, il dit voilà, nuit. Et moi, il dit à la fille, il dit c'est des preuves palpables, voilà, des preuves matérielles. Tu portes plainte contre lui pour harcèlement, voilà, pour menace. C'est tout. Voilà, parce qu'il y a sa boîte ici. C'est bon, Giovanni. Voilà, si c'est, on est ensemble les champions. La vidéo est en cours, on voit notre vidéo. Ciao, ciao.